chante ce refrain qui te plaît. Salut les petits clous. Hey. On se retrouve le 15 octobre à Pusignan. Pour le spectacle, chacun fait ce qui lui plaît. On va bien se marrer. Ouais, on va vous entraîner au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit, il m'entraîne au bout de la nuit. Les... Eh ben, le 15. Bah oui, le 15 octobre à Pusignan. On vous attend. Sans faute. Bonjour, c'est Antoine. Quand on pense à la Polynésie, on pense bien sûr à Tahiti, à Moorea, à Bora Bora. Mais je vous invite à embarquer sur mon catamaran Banana Split pour partir à la découverte de quatre archipels qui me tiennent beaucoup à cœur, les îles lointaines. Nous visiterons d'abord les îles australes, de Raivavae, une des plus belles îles du Pacifique, jusqu'à Rimatara, la plus préservée. Elles sont toutes riches de traditions. Puis nous naviguerons au travers de l'archipel des Tuamotu, au sable d'or et aux eaux cristallines. Et vous y découvrirez pourquoi c'est dans cet archipel, plus que tout au monde, que j'aime passer de longs séjours entourés d'oiseaux libres et heureux. Nous gagnerons ensuite les Marquises, et sur les traces de Melville, de Brel et de Gauguin, nous découvrirons les coutumes et les paysages de ces îles que leurs habitants appellent la Terre des Hommes. Enfin, notre croisière s'achèvera tout au bout de la Polynésie, dans l'archipel des Gambiers, un grand lagon où chaque île cache une église mystérieuse, noyée dans une végétation luxuriante, au pied de montagnes escarpées. Alors là, il y a des dates comme ça où on a l'impression de jouer à la maison. Alors, le salon sera un petit peu plus grand, on va mettre un petit peu plus de lumière, puis surtout, il y aura un petit peu plus de musiciens, parce que tout seul, je vais m'embêter quand même un petit peu. Alors, venez nous rejoindre, ça sera le 19 novembre, le samedi 19 novembre 2016, à 20h30, au Centre culturel de l'Odyssée, à Pusignan. Alors, c'est une soirée qui va être sur le thème de la musique, mais sur le thème des femmes, des grandes dames de la chanson. On va revisiter quelques petites subtilités comme ça qu'on s'est appropriées rien que pour nous avec les musiciens. Des grandes chansons, ça va d'aujourd'hui à y un petit peu plus loin, des grandes artistes, etc. Je vous en dis pas plus. Venez, on vous attend nombreux. Et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé, on ne s'aime plus. Parfois ça brille comme ma diadème.
Bienvenue au bout du monde. Bienvenue sur les îles Bikini, en plein Pacifique, un des endroits les plus beaux de la planète. C'est dans ce lieu unique que trois Français, de tous âges, toutes conditions, vont vivre une aventure exceptionnelle. Isolés, privés de tout sur deux îlots, ils vont affronter les éléments, déjouer les pièges de la nature et surtout survivre aux autres. C'est la loi impitoyable de Bikini Paradise. C'est à Pusignan que ça se passe, le 26 novembre à 20h30. On compte sur vous. Pour partir à la découverte du Languedoc, notre port d'attache sera Béziers, le cœur des routes qui nous entraîneront vers les terres de l'Aude, de la Haute-Ariège ou du Larzac. Cette région de France, c'est l'Occitanie. Bonjour, je suis Yves Pujol et le 17 décembre, je serai à Pusignan, au centre culturel de l'Odyssée, pour mon spectacle Une affaire de famille. Donc le 17 décembre à Pusignan, c'est joli, Pusignan. Pusignan, ça sonne un peu comme le sud, Pusignan. Mais c'est dans le 69 et c'est une superbe ville. Donc le 17 décembre, je serai à Pusignan pour le spectacle Une affaire de famille, au centre culturel de l'Odyssée. Voilà. C'est une affaire de famille, donc vous imaginez bien qu'on va régler les comptes. Et je réglerai les comptes aussi avec ceux qui ne viendront pas. Parce que c'est une obligation de venir le 17 décembre à Pusignan, au centre culturel de l'Odyssée, pour voir Yves Pujol dans ce spectacle Une affaire de famille, écrit avec Éric Carrière des Chevaliers du Fiel. C'est le grand des Chevaliers du Fiel. Pusignan, le 17 décembre. Je compte sur vous. Bonsoir, je m'appelle Ange Fatucci. Je suis le directeur de la salle. Mon vrai métier, c'est la mutuelle. La mutuelle Fatucci. Vous connaissez la mutuelle Fatucci? La mutuelle Fatucci, c'est une mutuelle normale. Mais ce n'est pas vraiment une mutuelle normale, parce que les mutuelles normales, les gens, ils sont remboursés après l'accident. Alors que nous, ils nous payent avant pour ne pas en avoir. Ouais. Famille. On est une grande famille, les Fatucci à Toulon, vous savez. Depuis des générations, moi, je suis toulonnais de souche. Mon père, il est né à Bastia, ma mère à Calvi. On est 8 enfants, 7 garçons, une fille, tous dans les affaires, voilà. Bon, je ne vais pas vous les présenter un par un, sinon il y en a pour 4h15. Hein. Alors la première, c'est Nicole, c'est ma sœur. Elle est à Bandol, elle a un petit commerce que je qualifierais de proximité. Hein, pour... Après, j'ai mon autre frère, le plus grand, lui, c'est Sauveur. Sauveur Fatucci. Lui, il est directeur d'une maison de retraite, les Lavandes Bleues à Toulon. Ah, Mme Seychelles, bonjour, eh bien entrez, je vous présente, Monsieur Fatucci, je suis directeur de la maison de retraite de la Lavande Bleue. Vous avez fait beau voyage? Eh bien tant mieux Mme Seychelles, eh bien bienvenue dans votre nouvelle demeure. Et j'ai mon neveu Romuald, lui il est dans les affaires, mais il est dans la mode. Il est dans la mode. Il est vendeur dans un magasin de maillot de bain.
Arrêtez-moi, madame, je me permets, pour ce genre de maillot, comment vous dire, il faut être impeccable au niveau pileux du pubis. C'est là que vous avez la frange qui dépasse. On dirait qu'il y a Paul Naref qui s'est caché dans la nénuphar, vous voyez. Il vous entend, il vous observe, il vous voit, il vous respire, il vous analyse, il vous influence. Je vous rassure, c'est vrai. Voici le drôle de mentaliste, Franck Truong. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Comme vous ne l'aurez jamais vu. Carrefour de la paix, elle est fière d'être une des plus vieilles démocraties du monde, où le peuple souverain, lors de votations, décide de tout. Sa discrétion, son goût de l'ordre et de la mesure ont toujours existé. Genève est le berceau d'institutions internationales comme l'ONU, le CERN et la Croix-Rouge.
qui mieux qu'un Suisse pouvait raconter cet étonnant pays au cœur des Alpes. Son environnement extrême a des répercussions sur la vie de son peuple, axé encore et toujours sur l'élevage, aux traditions originelles. La Suisse est plus qu'un paysage, un temple de la nature, avec un fier héritage, une culture vivante et prolifique de savoir-faire. Jamais présentée à l'écran, mon pays mérite bien une histoire, je viens vous la raconter.